Wow! Salut mon Saiyajin de l'espace, t'es pas prêt? Je te propose un HIIT abdo cardio niveau avancé, ça dure 10 minutes, ou niveau débutant, ça dure entre 5 à 10 minutes, d'accord? Tout l'ensemble du corps sera sollicité, mais aussi les abdominaux pour les avoir bien saillants. Je te montre tout, je t'explique tout, les erreurs à éviter, pourquoi c'est intéressant, augmentation du métabolisme de base, renforcement de tout l'ensemble du corps, c'est un full body et en plus on insère intelligemment et méthodologiquement des exercices d'abdos pour bien les sentir. Alors je te montre le premier exercice. Saut, deux sauts. Là, assure-toi d'avoir un tapis qui ne glisse pas, c'est très important. D'accord? Deux sauts et ensuite là, regarde. Sur le côté, on revient, bam bam. Et on revient. Ici, saut et on revient. Ensuite, on enchaîne directement. On se met au bord du tapis sur un côté. Montée de genoux. On serre les abdos. Pas chassé, tout petit. On reprend ça deux fois. Chassé, montée de genoux rapide. Chassé, petit. D'accord? Et on reprend l'exercice sur le tapis. Deux sauts. Ensuite, sur le côté, etc. En tout, ça va durer une minute. Le deuxième exercice, je te montre. Il n'y a pas de temps de pause. On est là. Alors une variante. On connaît tous ce mouvement d'AB Wheel. Moi, je te propose, pour l'option difficile, de chercher un peu sur le côté et de revenir. Hop, de l'autre côté, hop, et de revenir. Quatre fois. Et écoute bien la suite. On fait une variation après. Quatre. Et ensuite, tu es là, sur la pointe des pieds. Une, deux, et trois. 4 pendant ce mouvement là, d'accord, où tu avances tes genoux, tu penses à serrer tes obliques et après tu repars. 1 sur le côté, 2, etc. D'accord, le troisième exercice que tu vas effectuer, tu es là, ça va être 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 fois et au bout de 4, on se met sur les mains, 8 secondes de mountain climber, 7, 6, 5, 4, etc. Et on reprend le mouvement ici. 2, 2, 4 fois. D'accord, 4 fois mouvement dynamique et suivi de 8 secondes de mountain climber jusqu'à ce que ça fasse 1 minute. Ensuite, le quatrième exercice que tu vas effectuer, ça sera celui-ci. Pour les abdos toujours, on est là, une main sur le tapis, une main sur le sol, on fait un pas chassé, une pompe en même temps. Hop, une pompe. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chassé. Une pompe. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Chassé, etc. 4 secondes de mountain climbers et 4 fois les bras. Et enfin, le dernier exercice, on est là, on cible sur les abdos. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lève les fesses, on descend 4 fois, 4, et on revient. Ok, 3, et on revient. 2, on revient, et 1, et ensuite on reprend toujours les rotations, puis les 4 mouvements de jambes, jusqu'à ce que ça fasse toujours 1 minute. Tu connais le protocole, donc maintenant j'ai envie de te dire, let's go. Je commence par la partie difficile et ne t'inquiète pas, ensuite je montrerai la partie simplifiée, d'accord? Ça sera accessible à tout le monde. Attention. On va partir. Premier exercice, en tout ça dure en tout 10 minutes. Deux sauts. Une. Deux. Sur le côté. Reviens. 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 Sur le côté. Alors, une, deux, trois, quatre. Chassé. Petit. Go. Une, deux. Serre les abdos. Trois, quatre. À chaque mouvement que tu effectues, travaille en pleine conscience. Serre tes abdos à chaque fois. Une, 4, on reprend depuis le début, les sauts sur le tapis, 2, allez, donc il y a 5 exercices,
qu'on va redupliquer pour un deuxième tour. Ok, deuxième exercice, go. Allez. On va chercher sur le côté et on revient. Dix minutes non-stop. Et allez, sur les genoux, sur le côté. On serre les obliques quand on fait ça. Courage, serre les abdos, avance bien l'ensemble du corps, ok? Avec moi, sur le côté. La suite. Allez, go. Tu te rappelles, main devant, 4 fois. Allez, 2, reste un peu longtemps. Reviens. 3, 4. Allez, mountain climber. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reprend, go. Si c'est trop dur, tu poses tes genoux au sol. Allez. 2. Tu verras l'état de ma tête à la fin de ce circuit, ça va être chaud. Allez, go. On travaille tout l'ensemble du corps. Le but, dépenser un maximum d'énergie et cibler aussi au niveau des abdos. D'où le hit abdos cardio. Allez. Maintiens, ne lève pas tes fesses. Ne lève pas tes fesses. Waouh. Allez, la suite. Pompe, chassé. Allez, 4, 3, 2, 1. Et là, 1, 2, 3, 4, chassé. Pompe. Mountain climber. 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Allez, go. Yeah. Pompe. Mountain climber. Serre les abdos quand tu fais des montagnes. Ne pense pas juste à monter les genoux. Et là, on bosse tout, les épaules. Ça chauffe aussi au niveau des épaules. Tiens bon. Si t'as mal un peu aux épaules, t'avances un peu tes mains vers l'avant. Là, comme ça. T'avances un peu les mains vers l'avant. Dernier, pour le premier tour du moins. Allez, rotation de hanche. Tu lèves tes fesses. 1, 2, 3, 4. Allez, on descend. Ah. Tu lèves tes fesses pendant la descente. Le but, c'est de retenir la descente, d'accord? Ne pas laisser tomber les fesses rapidement, un peu comme si tu voulais ralentir la descente à la Matrix. Allez, encore une dernière. Tu rentres le ventre. Allez, rotation. Allez, jambes, c'est parti avec moi. Lève tes fesses, tu sens les abdos travailler là? Si c'est le cas, tu mettras un pouce en l'air, t'oublie pas à la fin de la séance, d'accord? Ou si tu es en train de regarder la vidéo en train de manger un paquet de chips, dis-le moi dans la barre des commentaires aussi. Il y a 30 secondes de pause avant d'entamer le deuxième tour. Waouh! Comment tu te sens là? T'as 15 secondes pour mettre un pouce en l'air si t'es au bout de ta vie comme moi. Je te fais confiance, mon Sayajin. Et là, un transfert de fou, hein. On peut pas dire que c'est pas efficace. Allez, deuxième tour. Deuxième tour. Allez,
Deuxième. Allez. On reprend. Allez, go. Les sauts. Chant. Saute, serre les abdos. Une, deux. Chant. Encore une fois. Chant. Une, deux. Allez. Serre les abdos. Chant. Petit, petit. Les obliques. Allez, go encore. Redresse ton dos. Ok. Deuxième. Sous le côté. Et là, on va chercher. Tu vois? Pour travailler les obliques. On va chercher. Travailler les obliques. Pour varier un peu. 4. Souviens-toi. Les montées de genoux. Et là, je fonce. Poum, poum, poum. Allez, on reprend. Une, deux, allez, trois, quatre. Allez, montez de genoux, go. Choum, 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 choum. Allez. Chaussée aux moines. Ok, la suite. Allez. Tiens bon mon Saiyajin. Serre les abdos. Reste, reste. Reviens. Reste. Reviens. Reste, 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 reste. Reviens. Allez, mountain climber. 8. 7, 6, serre les abdos quand tu montes tes genoux, 4, 3, 2, 1, waouh, allez, tu sens les abdos là, you feel it my bro, my Saiyajin, allez gars. Ok, la suite. Allez, avant-dernier. Pompe. Allez, une, deux, trois, quatre. Et là, ça fait. Une, deux, trois, quatre. Et on repart. Hop là. Après, reste connecté avec moi. Je te montre la version simplifiée, d'accord? Un, deux, trois, quatre. Une. T'as mal aux épaules, avance-les un peu. 2. Avance tes mains. 3. 4. Allez gars. Rapproche. Et allez. 2. 3. 4. 1. Serre les abdos. Hit up de cardio. Ok. Le dernier. Ah, ok. Allez, on tient bon. 2, 3, 4, 5, 6. Contrôle. Voilà, contrôle. Allez. Ah, t'as vu mon état? Tu vas te retrouver dans le même état que moi, tu vas voir. Donc je compte sur toi pour faire ce circuit training. Rentre le ventre. Allez, 1, 2, 3, 4, go. Wow. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Rotation hanche. Et c'est bon. Ok, là, waouh, oh my god, c'était le niveau compliqué. Je te montre maintenant la version simplifiée. Amorti, amorti, là c'est simple, c'est, regarde, écarte, resserre, là, petit saut,
resserre, prends ton temps. Petit saut. Reviens, ok? Allez, avance, montée de genoux, ça ne change pas. Go! Allez, petit, petit. Montée de genoux. 2, 3, ça c'est la version débutant. Tu repars depuis le début, prends ton temps, serre les abdos. Serre les abdos avant de sauter. Pac, tu maîtrises. Tu bouges plus. Tu bouges plus. Saut sur le côté. Bouge plus. Reviens. Allez. Sur le côté. Reviens. Sur le côté. Reviens. Relâche. Récupère. Deuxième exercice à des wheels, mais version classique. Classique là. On cherche pas trop en avant. D'accord? Et on revient. Plus important, je te montre, on avance le bassin. Les fesses avancent en premier, d'accord? Les bras suivent, c'est pas d'abord j'avance les bras, non. J'avance mes fesses et l'ensemble du corps suit. Et je reviens. Allez, encore une fois. Là, tu vas être simplement les mains posées au sol. Tu vas ramener genoux, reviens. Genoux, reviens, les mains posées au sol, j'insiste. Pour avoir moins de déséquilibre pour les versions la version débutante. Et tu reprends. Allez. La bébouille sur les genoux. Genoux, hanches, épaules alignées. Avance les fesses en premier. N'oublie pas. Allez, go. 4. 3. 2. Allez. 1. Et tu sais, je fais ce genre d'exercice aussi dans mes programmes. J'adapte le niveau selon tes performances. Allez, t'es sur les genoux là, regarde, t'es sur les genoux, c'est, j'avance les bras et je reviens. Je disais, dans mes programmes sportifs, si t'es intéressé, j'adapte le programme aussi selon tes performances. Et pour ça, je t'envoie un questionnaire avec un test physique. Donc si tu veux un programme, voilà, dans cette même philosophie, tu peux me faire confiance en me contactant sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet, je veux un programme. Allez, mountain climber, 1, 2, 3, si c'est trop facile, tu montes la rapidité. Tu augmentes la rapidité. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Tu serres les abdos quand tu fais ça, bien sûr, hein, ok? Et au fur et à mesure que tu es à l'aise, ben, tu vas rajouter, plutôt substituer les mouvements simples par les mouvements compliqués que j'ai montrés en début de vidéo, d'accord? Pas tous les mouvements, mais certains, si tu peux. À la suite. Là, c'est pompe sur les genoux. Regarde. Pompe sur les genoux. Tu reviens. Hop. Écarte. Pompe. Et là, c'est montée de genoux. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est lève un pied gauche, lève le pied droit. Lève le pied gauche, lève le pied droit. Récupère. Pousse les fesses en arrière. Sur les genoux. Une pompe. Pompe. Tu reviens au milieu, écarte, pompe, mountain climber, allez, version débutant. Si c'est trop dur avec les pieds, tu avances un peu les mains, 1, ici, 2, je te rappelle que plus tu avances les mains, plus ça va être facile, d'accord? 4, allez, on repart, hop, dernier exercice, allez. Il y a encore un tour après. Et là, ça va être double crunch pour toi. Double crunch. Tu reprends. Allez, rotation. Allez, lève tes fesses. Fléchis tes genoux si c'est trop difficile. Dégage le menton. T'aimes bien mes options facilité, de facilité? Fais-le-moi savoir avec un pouce en l'air. Relâche. Ok. Tu peux t'arrêter là si tu es débutant.
où tu reproduis un deuxième tour. Mais si tu es débutant, déjà 5 minutes comme ça, c'est déjà top, d'accord? Bravo mon Saiyajin, bravo. Si tu veux me faire confiance, je propose aussi un programme sportif et alimentaire basé sur cette même philosophie. Voilà, des hits, des exercices courts et intenses pour solliciter l'ensemble du corps, travailler les abdos de façon intelligente. Sur mon site alexlevent.com, tu sais tout. Et si tu veux me soutenir, mets-moi un pouce en l'air. Je te dis à très bientôt. Peace and souris. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hey copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.